À toutes les unités, nous ne sommes plus sur la défensive. Regroupez-vous et lancez la contre-attaque. Ici unité Foxtrot, les Russes commencent à battre en fait. On les a mis en déroute. Loin de l'enfer des premières lignes, certains Russes rejetaient la folie de Makarov. Des hommes prêts à mourir pour leurs principes. Price, Soap est dans un état critique. Il ne fera pas long feu sans soins médicaux. C'est un dur à cuire, crois-moi, il survivra. Il y a des intrus dans le secteur. On a de la compagnie. C'est Makarov, il est venu en finir. Qui est ton meilleur homme? Yuri, ex-Spetsnaz. Peut-être le seul homme qui déteste Makarov plus que toi. Amène-le. Ils arriveront par le sud en s'abritant derrière la crête. Comment tu sais? C'est ce que je ferai. On doit emmener soit pas l'hélico. C'est quoi ça? Et tout ce que c'est pas de dire. Yuri, proposition sur le balcon. Il faut qu'on fasse gagner du temps aux médecins. Garde un œil sur la cour. On doit les retirer jusqu'à ce qu'on puisse bouger sans. Attention,
stocké dans le bâtiment, droit devant. On n'arrivera jamais à atteindre l'hélicoptère. Nicolas, où est l'engin téléguidé? Vous y êtes presque. Traversez le bâtiment. Juste en dessous de vous. Je le vois. C'est un engin téléguidé. Blindage de 2 cm d'épaisseur, minigun et lance-grenade en armement. Les commandes de l'engin seront en russe. À toi, Yuri. Nikolai, est-ce que Soap tient le coup? Il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Yuri, dégage-nous un passage. On est juste derrière vous. Le minigun peut percer les murs. Utilise le lance-grenade.
sera utile. On va s'occuper de Makarov. Bordel, mais c'est qui, Yuri ?